Il crut Dieu et devint ainsi
le père d'un grand nombre de nations, pe na motindo oyo akomaki tata ya mabota mingi, selon ce qui lui avait été dit, engebene na oyo esilaki kolobama na ye, telle sera ta postérité, bongo nde libota na yo ekozala. Regardez qu'Abraham est appelé le père des croyants. Et je crois que c'est dans Matthieu au chapitre 1er. L'Écriture dit, Makomi Mazali Koloba, généalogie de Jésus-Christ, Molongo na botama na Yesu Christo, fils de David, mwana ya Dawiti, fils d'Abraham, mwana ya Abalayama. Ceux qui croient ne sont pas appelés fils d'Adam, ils sont appelés fils d'Abraham. La race d'Adam est une race déchue, mais en Abraham Dieu avait fait une promesse: toutes les nations seront bénies en toi. C'est ainsi qu'Abraham, ayant cru Dieu, fut appelé père d'un grand nombre de nations. Abraham crut Dieu. Abraham andimaki Nzambe. Abraham était prophète. Abraham azalaki mosakoli. Il n'a pas cru en un autre prophète. Ye andimelaki mosakoli mosusu te. Il a cru en Dieu. Andimelaki Nzambe. Amen. Ceci est très important. C'est pour ça que dans Galates, il est dit. Verset 7. Chapitre 3, 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais Kasi, comment vient la foi? Romains 10, verset 17. Morongo, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, na bongo kondima, ezali kouta, na otozali koyoka. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Otozali koyoka, ezali kouta, na liloba na Christ. La foi vient de la prédication de Christ. Kondima, ezali kouta, na liteyo ya Christ. Et reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi. Pe boso, so la boye bete, bazali baye bazana kondima. Donc ceux qui écoutent la parole de Christ, baye bazali kouka, liloba na Christ. Et qui croient qui sont fils d'Abraham. C'est ainsi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient, mais ceux qui croient quoi? Mais ceux qui croient ce que Dieu dit, ceux qui croient le ainsi dit le Seigneur, ceux qui croient l'Écriture, ainsi ceux qui croient, pas ceux qui croient en un pasteur, en un prédicateur, en un... non, ceux qui croient en Dieu, qui croient ce que Dieu dit. Nous croyons aux prophètes. Nous croyons aux pasteurs. Nous croyons aux prédicateurs. Tant que ces hommes nous disent, ainsi dit le Seigneur, c'est alors que nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Nous ne serons jamais bénis avec Abraham le croyant lorsque nous croyons parce que tel a dit. Nous n'avons pas besoin de ce que tel a dit. Nous avons besoin de ce que Dieu dit. Il y a eu sur la terre des hommes qui ont parlé avec Dieu. C'étaient des bienheureux. Ils avaient les réponses venant de Dieu. Dans Exode 33, Moïse parle
Au Seigneur est dit au verset 12. Mose a lobé l'incollo, a lobé la mouron à Zumina Mibane. Commençons au verset 11. Demande à mouron à Zumina. Le Seigneur parla avec Moïse face à face. Incollo a solola qui le mona Mose l'obé l'ongi. Comme un homme parle à son ami. Le cola mouton a dit qu'on l'obé la mouninga naïe. Oui, Moïse retournait au camp. Si ma Mose a zomba qui la moula. Mais son jeune serviteur Josué. Kasi l'engue moussa le oi Yosua. Fils de Nun. Mouane à Nuni. Ne sortait pas du milieu de la tente. Atana ki kobi mate, outa la kati na eba. Il n'est pas étonnant que lors de son ministère, Josué, fils de Nun, qui était devenu serviteur de Dieu, a marché d'une manière beaucoup plus droite. Ce n'est pas à dire que Moïse n'avait pas marché droitement. Mais il avait vu comment Moïse avait marché. Là où Moïse avait envoyé 12 espions, lui instruit, il n'a envoyé que 2 espions. Il était difficile que les 2 se contredisent. Mais les 12 de Moïse, disent, on en contredit 2. Et tout le peuple est entraîné dans l'erreur. Mais Josué, qui lui restait dans la tente, quand Moïse allait dans le camp, quand son heure est venue, il n'a pas envoyé 12. Il a envoyé 2. Ne faites que ce que fait le prophète. Cela n'est valable que lorsque le prophète fait ce que Dieu lui a dit. Ne dites que ce que dit le prophète n'est valable que lorsque le prophète dit ce que Dieu a dit. Quand le prophète a envoyé 12, Josué a envoyé 2. Amen. Verset 12. Moïse dit au Seigneur, voici, tu me dis. Tu me donnes une tâche. Fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est bien de trouver grâce. Verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Cependant, il est écrit que Moïse connaissait le Seigneur. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est trompeuse. Le Seigneur répondit. Amen. Amen. Moïse avait besoin de la réponse du Seigneur. Il n'avait pas besoin de la réponse d'un homme comme lui. Paul avait besoin de la réponse du Seigneur. Il dit dans Galates, mais que dit l'Écriture? Mais il y a des hommes qui ont besoin de réponses d'autres hommes. Mais que dit Frère Branham? Ah, mais que dit-elle? Moïse lui a dit. Paul a dit. Mais que dit l'Écriture? Moïse parla au Seigneur. Verset 14, le Seigneur répondit. Verset 15, Moïse lui dit. Verset 17, le Seigneur répondit. Verset 18, Moïse dit. Verset 19, le Seigneur répondit. Mais ça, c'est merveilleux. Comme Moïse, nous avons besoin de la réponse du Seigneur. Nous sommes dans Jean au chapitre 1er. Ça, maintenant, c'est dans le Nouveau Testament. Nous voyons un homme. Son nom, c'est Nathanaël. Philippe vint lui annoncer
Philippe a qui ils avaient rencontré celui dont Moïse avait parlé. Et Moïse il ne s'est pas satisfait de la déclaration de Philippe. Il est allé lui-même. Arrivé au verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de foi. Nathanaël, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit. Amen. Amen. Verset 40. Nathanaël lui répondit et lui dit. Et Jésus lui répondit. Amen. Amen. Voilà un homme qui avait besoin du ainsi dit le Seigneur. Frère, m'a dit. C'est bien. Mais moi je veux ce que le Seigneur dit. Après que tu m'aies dit ce que Moïse a dit, je veux entendre la réponse du Seigneur. Amen. Amen. Parce que sa réponse est oui et amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Christ. Donc il est important d'entendre ce que Christ dit. C'est pourquoi nous avons entendu dans le psaume 33 juste. Mais mon juste vivra par la foi. Ah, mais c'est ton juste à se réjouir. Dans le Seigneur. La louange, si on s'en droit. Célébrer le Seigneur. Verset 3. Cette bonne nouvelle qui avait été annoncée d'avance à Abraham l'avait été aussi à David. Et chantez-lui un cantique nouveau. Regardez dans l'Apocalypse, ce sont les élus du Nouveau Testament qui chantent le cantique nouveau. Pourquoi? Verset 4. Car la parole du Seigneur est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La grâce du Seigneur remplit la terre. Et les cieux ont été faits par la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous tenons pour d'autant plus certain. La parole prophétique. Parce que nous savons qu'elle n'a pas été proclamée ou elle n'a pas été. Ce n'est pas de la part des hommes. Ou de même que ces hommes ont parlé, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que ces saints hommes ont parlé de la parole du Seigneur. C'est ce qui est dit dans 2 Pierre au chapitre 1er, à partir du verset 19, c'est pourquoi nous tenons pour d'autant plus certaines. Et c'est merveilleux, au verset 15, Pierre dit. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Quelles choses? Dimanche, nous avions entendu. Fais venir Simon Pierre. Simon Pietro. Il te dira des choses. Acte 1. Par lequel tu seras sauvé. Alors Pierre dit, j'aurai soin. Il a écrit. Voilà pourquoi ces hommes ont écrit. J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître quoi? La puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on en arrive à la puissance et l'avènement, c'est alors que les fables apparaissent.
Quand on parle de la puissance, allez une rue à côté, vous verrez comment les fables se font entendre. Au sujet des combats, des intercessions et tout ça. Ce sont des fables. Quand on parle de l'avènement, prenez le boulevard et là vous verrez encore des fables. Jésus est venu. Mais non, quand il s'agit de la puissance et de l'avènement, nous ne parlons pas suivant des fables. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire dans la gloire magnifique. Écoutez, lui fit entendre une voix. Cet homme avait entendu le ainsi dit le Seigneur, et c'est sur la base de la voix et de ce qu'il avait vu qu'il parlait. Il était témoin. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Mais cette montagne est toujours là. Est-elle sainte? Non. Elle l'était. Et c'est là qui est saint. Lorsque le saint était descendu là, dans mon saint, à qui t'as qui dit qu'on a yango. Un homme est saint. Moto, à qui mon saint. Lorsque le saint descend en lui, dans mon saint, à qui t'as qui dit yé. Quelle est l'autre sainteté que nous pouvons atteindre? Mon saint, on dit mon saint, soit encore qui qu'on soit. Toute la vie ne servirait à rien. Bon, moi, mon bimbe, et qu'on peut sentir n'importe comment. Il dit, nous avons vu. Avait été mon acquis. Quoi, sa majesté? Nini, mon nini na yé. Mais la majesté. Mon nini. C'est-à-dire dans sa gloire. Nous l'avons vu dans son royaume. Nous sommes dans Matthieu 17. Pierre parle de quelque chose qu'il a vécu. Verset 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Avec ses ans. Ça, c'est l'avènement. C'est le royaume. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici n'aimeraient point qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Avez-vous entendu? Il y avait des hommes qui ne devaient pas mourir sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et les fils allèrent sur une haute montagne. On n'a pas besoin de connaître le nom de la montagne. Si Jésus sur une sainte montagne fut glorifié, on ne connaît pas le nom de cette montagne. Pourquoi avons-nous besoin de connaître le nom de la sainte montagne? Pourquoi? On n'en a pas besoin. Là, le Seigneur n'est pas descendu. Là, cet ange sont apparus à un homme. Mais ici, le Seigneur est apparu. Transfiguré. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ah, c'est le Seigneur dans son règne. Là, il apparaît comme roi. Amen.
Ici, le Seigneur apparaît comme roi. Regardez Apocalypse 1. Regardez Apocalypse 10. Là, on le voit resplendissant comme le soleil. Ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Nous serons tels qu'il est. Et voici Moïse et Élie. Moïse représentait la loi. Élie représentait les prophètes. La loi et les prophètes. On prophétisait jusqu'à Jean. Vous comprenez? Mais depuis lors, le royaume de Dieu, Jésus, est annoncé. Amen. Amen. Voici le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. Moïse et Élie, la loi et les prophètes ont rendu témoignage. Amen. Nous avons la loi. Nous avons les prophètes. Mais nous sommes des croyants. Et les croyants du Nouveau Testament sont appelés des chrétiens. Moïse, qui était à côté de Jésus, dans le royaume, Élie, qui était à côté de Jésus, dans le royaume, Moïse était mort et ressuscité. Mais il était à côté de Jésus transfiguré. Et Élie n'était pas mort. Non. Il n'avait point vu la mort. Un char l'avait séparé d'Élisée. Il est monté au ciel. Le manteau corruptible est tombé. Le manteau corruptible était tombé. Et le corruptible avait revêtu l'incorruptibilité. Élie est passé de la vie à la vie. Élie a été enlevé vivant. Et il s'est retrouvé vivant. À côté du vivant. Moïse est passé par la mort. Mais c'est une chose. Nous ne devancerons point ceux qui sont décédés. Car un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, représentés par Moïse, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, représentés par Élie, seront ensemble à côté du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur transfiguré. Amen. Amen. C'est Matthieu 17. Matthieu 17. Amen. Amen. Alors l'Écriture dit. Oui, ma commune malobi. Verset 4. Pierre. Prenons la parole. Et tu vois qui est là-bas. Ni mort. Il n'était ni mort, ni enlevé, ni changé. Il n'était pas aux côtés du Seigneur. Il était en face. Pierre, avec Jacques et Jean, il dit au Seigneur, faisons trois temps. Ici, nous sommes dans le royaume. Voyez-vous le Seigneur dans sa majesté, avec les morts ressuscités et les transfigurés enlevés à ses côtés et devant lui. Israël, il règne là. Sur Israël, Pierre, Jacques et Jean dans le secret, avec le Seigneur transfiguré. Il dit, faisons trois temps. Mais en bas de la montagne, que dit l'Écriture? Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule. Et comment qui va nous payer la paix? Mais où était la foule? En bas de la montagne. La maison du Seigneur sera élevée au-dessus des montagnes.
Bangomba. Amen. Amen. Mais en bas de la montagne, Bangomba, la foule, tous les peuples de la terre seront là. Mais Israël, quand il sera sur la cette montagne. À Jérusalem. À Jérusalem. Où il ne se fera ni temps. Avez-vous compris? Nous sommes dans le royaume. Jésus ressuscité. Transformé. Avec les rachetés. Enlevé. Avec les rachetés. Ressuscité. Il est là avec eux. Dans une communion parfaite. Mais devant lui. Israël son peuple. Amen. Israël son peuple, parlant avec lui, nous dans le palais avec lui. Israël son peuple devant lui, mais au bas de la montagne, la foule. Amen. Et nous tenons. Il en va la liste à quoi. Amen. Amen. Dieu envoie des prophètes. Parce que Dieu est un Dieu. Il clôture le livre en disant, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son homme. Lui dit, moi Jésus. J'ai envoyé mon âme. Mais dans cette grande nuée, je les avais enveloppés. Nous rentrons dans Matthieu 17. L'Écriture dit, verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Vous avez vu, couvrit qui? Moïse, Élie et Jésus. Ils étaient tous là dedans. Dans la nuit. Bien aimé dans la Jérusalem céleste. L'Écriture dit, et je vis descendre la Jérusalem céleste. Ayant en elle la gloire. Amen. Et voici une voix fit entendre de la nuit. Fais-t-elle mon mouvement, celui-ci. Oyo. La voix n'est pas venue d'ailleurs. Ici l'Écriture dit, la voix est sortie de la nuit. Ah ouais, mais comment était mon gomme mobile? Et voici une voix fit entendre de la nuit. Ah là, mon gomme mon gomme qui mon qui s'est écarté. Mais Pierre dit, la voix vient du ciel. Ça c'est Pierre qui était mon gomme mon qui était là. Ceci n'est pas différent. De Deutéronome 4. Le Seigneur parla du sang, du feu. Mais du ciel, on entendit sa voix. Celui-ci. Et il regarda. Il dit Jésus Saint. Frère, nous ne connaissons que Jésus. Amen. Moïse nous pointe Jésus. Élie nous pointe Jésus. Nous ne connaissons que Jésus. Et Jésus-Christ ressuscité. Qui est-il? Dieu manifesté dans la chair. Qui est-il? Il est le sauveur. Le consolateur. Le guérisseur. Le rédempteur. Le roi. Le juge. L'avocat. L'ami fidèle. L'époux. Il est tout. Mais il est cela en des temps bien marqués. Maintenant, il est souverain sacrificateur. Et que fait-il? Il fait l'intercession pour tout le peuple. Maintenant, il est avocat. Il plaide pour qui? Pour les coupables. Maintenant, il est le Fils de l'homme. Il fait quoi? Il marche au milieu de sa chandelier d'or. Mais demain, il sera le roi. Où? Assis sur le trône. Et ensuite, il sera le juge. Assis où? Sur le trône du jugement. Et maintenant, il est le consolateur. Dieu était tout cela. Mais pour qu'il le manifeste, tant qu'il restait Dieu, il n'y avait pas moyen. Tant que Dieu était Dieu, il ne pouvait pas consoler. Il ne pouvait pas sauver.
Tant que Dieu était esprit, comment pouvait-il être époux? Comment aurait-il pu être frère? Comment aurait-il pu être avocat? Comment aurait-il pu être souverain sacrificateur? Comment aurait-il pu être agneau tant qu'il était esprit? Alors il sortit de l'éternité. Philippiens 2, lui qui existait en forme de Dieu, il n'a point cessé à demeurer dans cette forme. Mais à cause de son plan, il s'est dépouillé lui-même. Et il a apparu comme un vrai homme. Et il a souffert la mort de la croix. Bien aimé, nous pressons Golgotha. Amen. Amen. Le diable n'aime pas Golgotha. Diable n'aime pas Golgotha. Il n'aime pas le nom de Jésus. Il n'aime pas Gethsemane. Gethsemane. Vous pouvez parler de tout. Mais quand vous mentionnez Golgotha, Jésus, Jésus, alors là, il est en colère. Il n'aime pas ça. Parce que c'est le centre du plan de Dieu. Car Dieu avait jugé bon que dans la plénitude des temps, il puisse réunir toutes choses, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, en Jésus-Christ. Il devait accomplir son plan dans cet homme. C'est pour cela que tous les chants parlent de cet homme. Tous les psaumes parlent de cet homme. Les cantiques de cantiques parlent de cet homme. Les prophètes parlent de cet homme. Tout le Deutéronome, Exode, tout parle de cet homme. Tous les évangiles parlent de cet homme. Tous les épîtres parlent de cet homme. Tout l'Apocalypse parle de cet homme. Mais les Branhamistes parlent de Branham. Et les Kimbanguistes parlent de Kimbangu. Et les catholiques parlent du pape et de leur église. Mais les croyants parlent de Jésus. De qui allons-nous parler? Nous ne connaissons que Jésus. Redites-moi l'histoire. Mais quelle histoire? De l'amour de Jésus. Elle est si belle. Elle est toujours nouvelle. Alors redites-le moi. Répétez-la-moi tout le temps. Répétez-la-moi. Afin que chacun, chemin faisant, je puisse repasser ces choses dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Jésus vient bientôt. Nous voulons connaître la réponse de Jésus. Nous venons de vous montrer que tous ces hommes de Dieu parlaient sur la base du Saint-Esprit. Ils agissaient sur la base de ce que Dieu avait dit. Et c'est ce que nous voulons en ce temps de la fin. Vraiment, nous n'avons pas beaucoup de temps. Dans l'Ancien Testament, Romains chapitre 1er, le Seigneur avait annoncé ces choses par les prophètes. Ils étaient serviteurs de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Éphésiens 3:5, il a révélé cela comme jamais auparavant, comme il l'a fait maintenant dans ses jours. Prophètes et apôtres qui sont serviteurs de Christ. Avez-vous compris? Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a des prophètes. Amen. Ces deux ministères vont souvent de pair. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas des dénominationnels qui montrent le ministère de pasteur et d'évangéliste. Quand vous allez chez les Branhamistes, ils n'ont que le ministère de prophète. Et le dernier prophète, ils ont, c'est Branham. Nous ne sommes pas des juifs.
je parle de la religion juive. C'est-à-dire, les juifs cherchent des miracles. Nous ne sommes pas ces juifs-là. Nous ne sommes pas des grecs. Nous ne sommes pas des pentecôtistes qui pensons que Jean-Baptiste était le dernier prophète. Et nous ne sommes pas des branhamistes qui pensons que Branham est le dernier prophète. Dans le royaume de Dieu, Éphésiens 4, 11 est toujours valable. Aujourd'hui, Christ est remonté. Il a fait des dons. Aujourd'hui, il a donné les uns comme prophètes. Vous dites pas amen? Oui, aujourd'hui, il a donné les uns comme prophètes. Ce n'est pas assez fort. Aujourd'hui, ce n'est pas dit hier. Ce n'est pas dit en 63. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 98. Il a donné les uns comme prophètes. Voilà comment les croyants répondent. Aujourd'hui, en 98, il a donné les uns comme apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes. Amen. On reconnaît facilement les évangélistes. On reconnaît facilement les pasteurs. Parce qu'il y en a un peu plus. Mais qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent. Rares sont les vrais docteurs. Et encore rares pour les vrais prophètes. Mais il y en a aujourd'hui. Voyez-vous cela? Si toi tu ne l'as pas vu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Là où je me tiens, je ne vois pas où Diadia. Ça ne veut pas dire qu'où Diadia n'existe pas. Vous le voyez? Non, Diadia, lève-toi s'il te plaît. Moi je ne le vois pas. Le voyez-vous? Si vous, vous ne voyez pas des prophètes, nous nous en voyons. Voyez-vous cela? Peut-être qu'il faut que vous retourniez. Vous, que vous voyez? Alors peut-être il est temps de changer de direction. Alors tu verras comme nous voyons. Tu comprendras comme nous comprenons. Tu auras la réponse du Seigneur. Il est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. C'est le Dieu prophète. Il marche au milieu des saints chandeliers des dents. Il n'est pas assis. Il n'est pas sorti. Aujourd'hui, il marche encore. C'est-à-dire, il continue à proclamer la parole prophétique. Et qui proclame la parole prophétique? Ce sont les prophètes. Amen. Amen. Vous voulez des noms? On n'a pas besoin de nous. La connaissance est dans la révélation. Que vois-tu, Jérémie? Envoie une branche dans mon nez. Que voyez-vous? Je vois des hommes envoyés de Dieu. Vous avez bien vu. Amen. Aujourd'hui, Dieu a encore des prophètes. Mais si il envoie des prophètes, le ministère d'apôtre va toujours de pair. Regardez, Pierre était apôtre, mais prophète. Amen. Jean apôtre, mais prophète. Paul apôtre, mais prophète. Et encore plus, docteur, prodige, évangéliste, et même pasteur. Amen. Mais Pierre n'était pas docteur. Il était apôtre et prophète. Mais cependant, en Dieu, il y avait beaucoup de prophètes et de docteurs. Bien aimés frères, les Juifs d'ici là, qui eux-mêmes étaient prophètes, restèrent à Antioche pour exhorter l'église dans ce que Dieu faisait aujourd'hui. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix et je trouverai encore grâce à tes yeux. Il a emmagasiné et maintenant
comment il distribue. Qui? Le Seigneur. Et ceux qui sont de Dieu sont dans ce que Dieu fait. À quoi mets-tu toute ton énergie? À quoi es-tu occupé? Moi, je vais vous dire à quoi nous nous sommes occupés. Nous, Bisso. Je ne parle pas de vous. Je parle de nous. Bisso. Nous, Bisso. Nous sommes occupés à distribuer la nourriture emmagasinée et à faire connaître au peuple la voix de Dieu aujourd'hui. Mais toi, à quoi es-tu occupé? Participes-tu aussi à la distribution? C'est très facile d'y participer. Les uns, c'est par une prière. Les autres, c'est par leur don. Les autres, c'est par leur travail. Produit par le Seigneur. Et ça est encore une imagination de leur tête. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'on peut trouver des pasteurs pour mettre le troupeau. Amen, les prophètes. Ah, bah, ça colle. Ah, les apôtres. Ah, Bantoma. Les docteurs. Bah, là, ils doivent circuler. Bah, c'est guéri qu'on t'envoie. Ah, mais oui. Ah, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, bah, la moisson est grande. Et l'anglais, c'est mon aîné. Mais il y a peu d'oubliés. Mais il y a beaucoup de faux. Oubliés. Bah, ça, il y a le couta. Les faux sont toujours plus nombreux que les vrais. Bah, oui, il y a le couta. Bah, dans la camingue, il y a c'est vrai, c'est vrai. Les faux sont toujours en grand nombre. Du temps de Michel, c'était incroyable. Un seul vrai prophète pour 400 faux prophètes. Mais du temps d'Élie, c'était très grave. Un seul vrai prophète pour 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté. Donc un vrai prophète pour 850 prophètes des païens. Mais du temps de Michel, un vrai prophète du Seigneur, pour 400 prophètes d'Israël, du temps d'Israël, il y avait un seul Élie. Et 850 faux prophètes. Mais après Élie, un vrai prophète pour 400 faux dedans. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? Mais nous, nous voulons demeurer dans la tente. Amen. Moïse peut sortir, nous nous voulons rester dedans. Amen. Nous voulons rester constamment dans la tente. Mais quel temps? La tente d'assignation. La tente de réconciliation. Et mon abouyokanisami. Bien aimé frère. Valinga Yubandeko. Nous vivons un temps particulier. Israël est dans sa demeure. Israël a dans les quatre de leurs pieds. Ils foulent le territoire. Que Dieu avait promis à Abraham. Oyo Zambe à la quatre na barayama. Ils sont revenus du nord. Bango bazongi ko utala de l'est et de l'ouest. Ils ont mis leurs pieds dans Jérusalem. Ils sont arrivés au mur de lamentation. Ils ont pleuré. Ils ont dit on a été errants pendant 2000 ans. Maintenant nous voici de retour. Et cet homme m'a dit, maintenant que nous avons foulé de nos pieds Jérusalem, nous n'en sortirons plus jamais. Bien aimé, ils n'en sortiront plus. Pourquoi? Dieu l'a dit. Ils sont là sur la base d'un ainsi dit le Seigneur. Nous aussi, nous étions errants. Depuis Babylon, Luther a essayé. Luther a mécanqué. Wesley a essayé. Wesley a mécanqué. Les pentecôtistes ont essayé. Mais lorsqu'on a entendu le ainsi dit le Seigneur, nous foulons de nos pieds la terre sainte. Et parce que nous sommes rentrés, nous n'en sortirons plus. Qui a la capacité de nous faire sortir d'ici? Personne. Pourquoi? Nous sommes fondés. Je dis, nous sommes enracinés. Mais c'est ça et bien mis à voir.
Où? Wapi? Dans la parole. Amen. Alors nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Amen. Vous êtes heureux. Amen. Vous qui croyez le ainsi dit le Seigneur. Amen. Vous êtes heureux. Amen. Vous qui ne croyez que la Bible. Vous êtes heureux parce que vous êtes fils d'Abraham. Un homme a écrit qu'il est fils de Branham. Nous ne sommes pas des fils de Branham, ni de Franck, ni de Paul. Ce sont des frères. Nous sommes co-ouvriers avec eux. Mais nous reconnaissons la tâche particulière que Dieu leur a donnée. Ah, nous ne pouvons pas nous comparer dans cette tâche-là. Mais même si je ne suis qu'un homme, je suis membre du corps. Même si je ne suis qu'un fil, au moins j'empêcherai la poussière d'entrer. Afin que la vue soit claire, même si je ne suis qu'un sourcil, j'empêcherai la sueur de traverser et les femmes qui vont enlever les sourcils. Dieu les travaille des sourcils. Les gens qui vont les enlever. Il y a des choses qui ne vont pas. Nous, nous acceptons ce que nous sommes. Par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Amen. 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 Bien aimé. Balingani. Christ vous a aimé. Christ a aimé. Et vous êtes appelé. Vous, frère de Jésus. Amen. Parce que Jésus lui-même est fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de fils d'Adam, il y a des fils d'Abraham. Ah, nous aussi, nous sommes fils d'Abraham. Partout nous allons, nous nous rejoignons. Il est issu du Père. Nous sommes issus du Père. Vous ne dites pas Amen. D'où êtes-vous sorti? Du Père. Bien aimé, nous, nous sommes des montagnards. Ah oui. Amen. Nous ne sommes pas des hommes de la plaine. Ni de la vallée. Nous sommes des montagnards. Et nous sommes au sommet de la montagne. Car notre ville est au sommet des montagnes. Alléluia. Là, la vue est claire. Vous êtes une ville. Vous allez combat. Placé où? Au sommet de la montagne. Mais soyez capable de rentrer dans les Écritures. C'est Matthieu 5. Il s'est assis sur la montagne. Vous êtes une ville. Vous allez établi sur le sommet de la montagne. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter. Sinon, nous continuerons trop loin. Nous allons nous lever. Et nous allons penser à notre Dieu. Oh oui, c'est vrai. Oh, il y a son nom. Je sais que c'est vrai. Il est écrit et qu'on m'a mis que Jésus m'aime. Et il y a son nom. Cela suffit. Quoi les coquilles? Il est écrit et qu'on m'a mis. Cela suffit. Il y a un vrai coquille. C'est comme ça qu'on a entendu dans Apocalypse. Voici. Dalani. Je fais toutes choses nouvelles. Oui, il dit. C'est fait. Et c'est Salemi. Il dit. Alobi. Et la chose d'Alobi. Salemi. Il ordonne. Après du motin. Et il existe. Quand il ordonnait. Après du motin dans la nuit. Vous êtes des dieux. Vous allez ensemble. Bien aimé, vous l'êtes. Pas des dieux comme Mukuna. Excusez-moi de citer son nom. Ni des dieux comme Ebalembongé. Non. Nous sommes des vrais dieux. Amen. Quand Paul avait fait tous ces miracles, Paul a commencé à dire les dieux. Nous sommes descendus en forme humaine. Non, nous sommes des hommes comme vous. Mais le psaume 82 dit, j'ai dit. Qui a dit? Le Seigneur a dit. J'ai dit. Vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Amen. Alors, il nous a donné le pouvoir sur les scorpions, sur les serpents. Amen. Amen.
Je ne peux même pas passer mon temps à avoir peur des serpents. Puisqu'il m'a donné le pouvoir sur les serpents. La Bible dit, ils les mordront. Et qu'on soit maman, il ne sera fait aucun mal. Pour que tu sois témoin, oui, tu nous donnes mon temps de cette écriture. Il y a des communes. Il faut qu'un serpent te mord. Et c'est un qu'à toi. Et que rien ne te t'arrive. Alors tu seras témoin. Oui, on prendra mon temps. Oh, merci toi, tu tues le serpent. À ceux qui ont mon commandement. Tu n'es pas témoin. Vous avez mon temps de l'idée. Mais cependant, tu es quand même témoin d'une écriture. Vous allez monter. Je marcherai sur les serpents. Vous allez monter. Bien aimé frère. Vous êtes bienheureux. Vous allez monter ma femme pour l'ami. Voyez-vous cela? Voyez-vous que tout pouvoir. Vous n'y mettez mon continent. Lui a été donné. Et vous avez la vie. Tout le ciel. Ah on a fini. Voyez-vous cela? Voyez-vous que rien ne peut lui résister? Voyez-vous? Continuez que tout démon est éliminé par Dieu. A été vaincu. Voyez-vous que toute maladie est maladie à Golgotha. À Golgotha. Il y a 2000 ans. A été guéri. Mais alors, je peux vous dire, allez. Que vous soyez fait selon votre foi. Voyez-vous cela? Cela est écrit et cela suffit. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Chantons le refrain. C'est écrit, cela suffit. Que Jésus fait. Cela suffit que Jésus naisse. Oh, bonheur suprême. Aujourd'hui. Les loyaux. Et faisait 4 ronds. Et voilà. Aujourd'hui. Les loyaux. Toute la Bible est valable. Aujourd'hui, Jésus est le maire. Aujourd'hui, son peuple est le maire. Il faut encore. Oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit.